qui s'offre à eux. Évidemment, la meilleure, c'est de rester en RLCS pour la saison 9. En tout cas, ça commence par là. Il faut aller vaincre les méthodes. Ouh, attention, Flex qui va insister hein, avec son maire qu'il a gardé pendant toute la série précédente. Il a choisi de le reprendre. C'est un choix un petit peu contestable hein, qui a fait jaser sur les réseaux sociaux. Vous avez le chat, vous êtes au courant de tout. De toute façon, on va pas répéter tout ça. Attention, centre de Mognus. Grismeister ne pourra pas attaquer cette balle. Ça a été renvoyé loin devant. Flex, il contrôle. Ça va partir dans le corner. Il a réussi à passer un premier joueur qui s'était jeté. Et il vient se mettre en opposition devant le ballon avec son véhicule. Et ce rebond peut être intéressant. Pour le moment, c'est dégagé par Tadpole. Mognus qui essaie de remettre, hein, qui cherche des solutions. Mais Grismeister qui était parti dans sa rotation défensive. Morito dans les airs avec beaucoup d'espace. Qui va aller chercher le reset. On lui avait laissé énormément de place ici. Heureusement que Flex a eu le bon réflexe sur sa ligne. Ouais, il a été attentif. On va pouvoir se dégager là avec Mognus au premier poteau. Flex qui essaie de reprendre tout de suite. Il a réussi à couper la trajectoire devant le dernier défenseur. Grismeister qui se retrouve avec un but grand ouvert. Et il vient le rater. C'est absolument saisissant là le Norvégien. Oh là là, ça stresse tout simplement du côté de Complexity. Et voilà, un joueur avec tant d'expérience qui vient à rater des ballons comme ça. La défense de Flex. C'est Mognus qui va prendre le relais pour envoyer dans la cour de son coéquipier. Tadpole qui est lobé, attention à Flex qui se fait démolir au final, ça va permettre la récupération tranquillement de Morito qui essaie de sortir avec le contre favorable, ça renvoie le ballon côté droit pour Tadpole qui décolle. La touche de balle là, qui, j'allais dire qu'il va être rendu, mais non, il y a Rix Rondé qui était parti et derrière c'est suivi par Morito. Ça n'amènera pas le but, mais c'était intéressant là ce mouvement collectif. Flex qui repart de l'autre côté avec un peu d'espace pour essayer de servir ses coéquipiers. Pour le moment, c'est renvoyé par la défense de méthode dans les airs. Morito qui écarte pour chercher une solution, c'est récupéré par Grismeister. Et on se renvoie des grands ballons. On a vu quelques signaux d'alerte. Et avec cette frappe, encore une fois, déviée sans problème par Flex. Mais les deux cages là qui restent inviolées pour le moment. Grizzy qui va se replacer, qui va contrôler cette balle. Attention quand même, hein, il y avait la pression d'Orix Rondé. Pour le moment, ça passe pour le joueur des Complexity. On se retrouve à nouveau dans leur corner. On va essayer de contrôler. On se met en position de contre. Et ça va profiter à Grismeister. Le long renvoie loin devant. Ouais, Tadpole et Rix Rondé qui s'y prennent à deux, qui s'en sortent très très bien avec ce pinch là. Morito qui gagne le duel, pas de double tap. Flex qui se rate à la défense. Rix Rondé qui maintient la pression mais il n'a pas pu cadrer. Flex, attention, il va s'élancer là dans l'axe. Le flic au-dessus de Tadpole. Derrière, c'est Morito qui va intervenir. Morito encore. On va essayer de prendre Grismeister de vitesse. Attention, la touche de balle de Grizzy qui lobe Mognus. Oh, Morito au premier poteau, il ne peut pas cadrer. Oh. Et ouais, ça se rate, ça se feinte aussi. Ouais, Grizzy, il a été très serein là quand même pour faire cette espèce de mind game plan axe. Morito qui a absolument tout seul, qui peut aller chercher la double tap. Bien sûr qu'il va y aller. Et ça fait plusieurs fois qu'il y avait des double taps, des resets qui étaient en train de se développer devant la cage des Complexity. Et cette fois-ci, c'est Morito sur un overcommit total de la défense. Il n'y a plus personne, c'est une balle d'entraînement. Ils ont friplé là, Morito, pour mettre ce ballon. Et ça fait 1-0 pour les méthodes. Ouais, c'est vrai qu'il a mis cette touche de balle absolument ralenti. Il a décollé tranquillement en lévitation. Il a pris en altitude et il est allé taper, retaper cette balle. Attention à la frappe qui était pas loin d'être cadrée. Tadpole qui était là de toute façon. C'est remis, Morito à la défense qui va chercher Rix Rondé. Oh, attention, c'est compliqué pour Rondé. On voit Mognus qui prend en chasse la Tadpole qui l'a eu, qui est allé le toucher. Derrière, on n'a pas insisté, on voit Flex qui est très loin. Morito avec de l'espace qui va lober. Il a été démoli juste derrière. La récupération de Grismeister, peut-être qu'il va essayer d'orienter le jeu dans l'axe, peut-être pour Mognus. Ouais, c'est repris. Le backboard est défendu par Tadpole. Il écarte le danger et ça vient connecter avec Rix Rondé qui renvoie cette balle complètement de l'autre côté. Grizzy, c'est intéressant. Il va partir plein axe. Il y a un petit peu d'espace. Finalement, c'est Flex qui récupère. Le jeu en passe peut-être. Ça manquait d'intensité là pour retrouver le capot de Grismeister. Ballon intéressant qui va dropper ici juste devant la cage. Morito qui a décollé très rapidement pour s'en saisir. Grizzy vers Mognus. Mognus qui va remettre peut-être pour Grizzy. C'est un petit peu fort. Il peut prolonger cette balle plein axe. On a une solution, Flex est parti à toute vitesse pour ce match et cette balle. Mais il y avait Tadpole qui avait tout lu. Le contre là qui est pris par Mognus, mais on va pouvoir se dégager quand même du côté de méthode. Et la Flex le contrôle, mais on ne le laisse pas avancer. A chaque fois que le ballon passe, le joueur lui ne passe pas. C'est de la bonne défense du côté de méthode. Attention, Mognus qui essaie d'accélérer. Le contre non, ne sera pas favorable. Derrière, c'est Rix Rondé qui va essayer de récupérer une touche, mais pas le deuxième. Flex, la passe pour Grismeister, ça a été bien anticipé par Morito qui est sorti. Rix Rondé qui va mettre ça dans le coin de corner. Tadpole ne pourra pas toucher. Flex, le petit crochet, ouais, il est beau, très à l'aise avec son maire. Oh là là, encore une fois, le contrôle pour servir Grismeister qui se décale sur le côté, va repiquer dans l'axe, le centre pour Mognus peut-être, mais il n'est pas le premier, l'attaquant de Complexity. C'est dommage, la différence là qui avait été faite était sublime par Flex et il est là sur sa ligne. Il a l'air en forme aussi sur sa ligne de but. Oh, attention, Rix Rondé s'était contré hein, par Mognus, ça a bien failli tromper la vigilance de Flex. Tadpole qui remet pour Rix Rondé, la frappe, non, oui. C'est une passe encore pour Tadpole qui vient se heurter face à la voiture de Grismeister. Et Morito qui veut maintenir cette pression dans le camp des Complexity.
X-Rondé très important hein, là pour en tant que récupérateur de bons ballons dans ce milieu de terrain. Il est arrivé à passer Flex, mais derrière c'est peu exploitable pour ses coéquipiers. Mognus à l'arrêt pour essayer de se relancer. Le contre est favorable. Grizzly ne peut pas se saisir de ce ballon. Finalement c'est Mognus qui renvoie la touche, qui manque de puissance. Il y avait un positionnement intéressant du côté de Grizzly. Finalement c'est Flex, il va partir dans les airs. Mognus, est-ce qu'il peut y aller? Oh, il a été dépassé par Borito. Et attention parce qu'il ne reste plus que 5 secondes. Ouais, c'est récupéré par X-Rondé. Méthode à l'attaque avec la démolition sur Borito. Oh là là. Oh, X-Rondé qui a failli faire la différence tout seul. Mais voilà, il a gagné suffisamment de temps pour permettre à Méthode de venir remporter ce premier match. Très serré, très disputé. Ouais. Fury, ça a été intense. Ça joue plutôt bien, je trouve. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Il y a eu une grosse, très très grosse occasion ratée cependant du côté de Complexity qui aurait pu changer le cours de ce match. Effectivement, et voilà, le plus petit des scores pour se départager. Une game de chauffe. Ouais. Une game de chauffe. On sent... Et là, on arrive avec de la pression. Là, il y a une place en RLCS à maintenir en vie. On va pas aller chercher, mais au moins à se maintenir en vie pour essayer derrière de se qualifier. Les méthodes, ils ont fait leur job, c'est-à-dire qu'ils ont fait des phases de jeu intéressantes. Et je trouve quand même que dans la physionomie du match, la victoire leur revient très logiquement. Ouais, c'est eux qui ont été le plus dangereux. On a vu parfois des tentatives de Complexity qui auraient pu finir au fond aussi. Mais globalement, les méthodes ont bien mené. Ils auraient pu gagner 2-0, j'aurais pas été choqué non plus. Donc la bonne opération est là. Maintenant, il faut aller en chercher 3 de plus. Ouais, effectivement, ça joue pas mal, ça se trouve, ça construit bien. Les 3 joueurs sont dedans, il y a peu d'erreurs, peu de déchets techniques des deux côtés. Mais j'ai envie de revenir encore une fois sur cet open net raté par Grizzly Meister. Je crois que ça aurait été pour l'ouverture du score ou pour l'égalisation, peu importe. De toute façon, il y a un but de différence à la fin du match. Ce but, il aurait compté. Et oui, ça stresse un petit peu là. Grizzly, qui lui, il a l'expérience. C'est dans ces moments-là qu'il doit se montrer. Voilà, je suis assez impressionné par Flex qui est sur la lignée de son bon match. Les 6 joueurs sont dedans, voilà. À part ce petit truc de Grizzly, on sait pas, oui, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ouais, ça joue pas trop mal et je crois qu'on va partir pour la game numéro 2. Et oui, la game numéro 2 qui démarre tout de suite. 5 minutes de temps réglementaire pour peut-être conforter une avance du côté de Méthode ou revenir chez les Complexity. Et c'est Flex qui va partir, attention à la conduite de balle. Et Flex, il va y aller tout seul. On l'avait vu déjà avec plein d'énergie dans la game précédente. Il voulait dribbler, il essayait de s'élancer et là il fait le café. Il va partir tout seul et défier les 3 joueurs des méthodes pour donner l'ouverture du score au Complexity Gaming. Comment il fait pour avancer comme ça à l'horizontale dans les airs sans perdre d'altitude? Ouais, je sais pas comment il fait. Le merc volant de la part du Néerlandais, c'est joli. Et c'est le premier but pour Complexity qui a mis du temps à trouver l'ouverture dans le match précédent. Mais ça allait mieux une fois qu'ils ont commencé à marquer. Là il aura fallu seulement 2 games pour y arriver. 5 minutes de jeu et Flex. Attention, il va essayer de crocheter peut-être face à X-Rondé. C'est récupéré par le Néerlandais. Juste derrière, il y a Mognus. Flex qui va rediriger. Il le fallait. Hein. Il fallait surprendre la défense. N'était pas cadré. Grizzly en retrait pour Mognus. C'est bien fait pour maintenir la possession côté Complexity. Ah, mais là, on n'a pas accompagné. Rix peut dégager. Ah, c'est Borito hein, qui récupère ce ballon. La bonne intervention de Grizzly pour se relancer depuis le mur. Ah, c'est compliqué. Il n'a pas beaucoup de ressources. Mais il arrive quand même à pousser cette balle. Et c'est X-Rondé sur sa ligne qui va devoir dévier ce ballon. Borito qui essaie de partir. Il est arrêté par Mognus, derrière il est suppléé par X-Rondé et l'explosion qui fait la différence. Les voilà les méthodes, ils ne veulent pas douter et ils recollent au score. Oh là là, il y a un double commit entre Grizzly Meister et Flake sur l'offensive des Complexity et là Mognus se retrouve en troisième homme avec zéro de boost. Zéro, il fait comme il peut, hein. Il prend un contre, malheureusement celui-ci lui est défavorable et derrière c'est conclu avec la démolition sur Grizzly Meister. Ouais, Complexity, attention à ne pas prendre trop de risques et attention surtout au double commit, vous le savez. La récupération de Rix prend des backboards défendus par Flake, c'est sur Borito, c'est Grizzly qui relance dans l'axe, Tadpole va essayer de temporiser. Ce ballon qui flotte un petit peu là dans le milieu de terrain, Grizzly le flic pour passer Borito à Eric Srondé qui a arrêté cette balle dans la difficulté. Il a eu un contre favorable derrière, ça permet à son équipe de se relancer avec Tadpole. La touche de balle intéressante, ça revenait plein axe, hein. Il fallait intervenir là du côté de Rix. Rix Rondé encore dans les airs, ouais, c'est peu conventionnel hein, ce qu'il nous a fait cette envolée sans boost, mais ça permet à son équipe de maintenir la balle dans le camp opposé. Et c'est Flex cette fois-ci qui va s'imposer, qui va prendre ce ballon. Il a récupéré le boost, il n'a pas eu la balle. Attention à Mognus là qui avait bien surgi devant sa cage pour défendre son but. Flex qui part sur le côté, il a 14 de boost, il arrive à passer un premier joueur, mais derrière il se fait rattraper par Tadpole. Ça va venir frapper le backboard, il faut absolument pas se craquer. Ouh, c'était très limite, Mognus qui va remettre en retrait. Il n'y a pas de solution, Flex et Grizzly qui sont très loin.
Ouais, le backflip là de Flakes qui choisit d'aller se replacer. Grizzymeister qui cherche Mokdus, attention, c'est intercepté par Borito. Et là c'est pas Zagdiel qui sont très dangereuses parce que vous l'avez vu, il y avait personne dans le but. Là en revanche, ouais, il y avait du monde. La frappe était bonne de la part de Rix Rondé, mais presque trop cadrée, presque trop bonne. Tadpol qui va essayer de récupérer. Attention, il a été contré. Flakes qui va essayer de couper. Les duels qui s'enchaînent là au milieu. Complexity et méthode, toujours un partout. Mokdus qui tire son épingle du jeu. Non, ça reste toujours là au niveau de la ligne médiane. Borito, Flex sur Grizzymeister. On cherche l'une, deux. Borito qui s'est interposé, c'est bien vu. Grizzymeister qui pousse contre le backboard. Attention, on va avoir du mal à défendre. Mais finalement, Tadpol était là. Attention à ce ballon lointain là. C'est Flex qui va venir le contrôler. Et on essaie de mettre en place la phase de siège. On voit avec Rix Rondé, Tadpol qui est monté immédiatement et Borito qui traîne là-bas dans le coin. Finalement c'est Mokdus qui va pouvoir repartir. Il s'est libéré un petit peu d'espace. Est-ce qu'il peut retoucher? Il n'avait pas de ressources. Le bon dégagement de Borito. Attention à ce double commit offensive là, entre Tadpol et Rix Rondé. Ah ouais, c'est récupéré par Grizzymeister. Grizzy peut-être encore dans le corner. C'est marrant, à chaque fois qu'ils montent en attaque, il y a toujours un joueur qui a pas de boost et ils arrivent pas à accélérer. Attention quand même à ce clair lointain là. Ouais, ça a failli donner une bonne situation pour Méthode. Quoique, elle est toujours là. Mais Mokdus va gagner le duel face à Rix Rondé pour se dégager loin devant. Moins de 2 minutes restantes. Et Tadpol doit défendre dans le point de corner. Il va trouver le relais avec Rix Rondé, mais ce ballon qui est rendu à Grizzy. Aussi finalement Flex qui intervient. Il va orienter le jeu vers Mokdus. C'est un petit peu raté, le Finlandais s'est dégagé par Rix. Flex est à la réception, le demi-tour, le maire qui récupère. Et la côté droit, il s'est ouvert de l'espace, il prend le contre-favorable face à Tadpol. Décollage de Borito, il a essayé de le bump, Flex était bien tenté. Derrière, il faut remonter le terrain, il faut avancer du côté de Complexity pour s'installer dans le camp de Méthode. Mokdus en difficulté, c'est compliqué pour lui, il a zéro de boost. Et ouais, il y a un mur de Méthode qui est en place. On approche tout doucement de la dernière minute de jeu et ces équipes qui se neutralisent. Le bon travail de Flex pour Mokdus, est-ce qu'il peut aller toucher Tadpol? Oh, il y avait Rix Rondé qui ne craquera pas sur sa ligne et ça commence à chauffer là, ce deuxième but qui a envie d'arriver. Attention avec Tadpol, ça va très vite, ça vient frapper le backboard. Mokdus qui s'est complètement raté, le troisième joueur est parti. C'est Grizzy qui va devoir tenir à la défense des Complexity Gaming. Il a fait un contrôle pour repartir dans son corner avec ce très bon contre là favorable. Rix Rondé qui contrôle, qui repart. Attention à Grizzy qui n'a pas dit son dernier mot pour essayer de maintenir cette balle dans le camp opposé. Mokdus qui va rater sa touche de balle, ça va revenir sur Borito. Rix qui va certainement monter sur le mur. Il a tenté un petit mind game sur Flex. Le recover n'est pas génial derrière. Il s'en sort quand même. Il passe 50-50 sur 50-50. Là c'est une passe en retrait pour Borito. La frappe peut-être pour le moment c'est au-dessus. On s'est raté du côté de Mokdus. Heureusement, aucun joueur méthode n'était venu. Effectivement, mais ils maintiennent la pression là avec Rix Rondé. Le débordement, il essaie de centrer peut-être. Flex va intervenir avec 0 de boost. Il se bat comme un beau diable néerlandais. Mokdus pour relancer. Flex qui couvre le boost, il ne l'aura pas. Peut-être que si finalement. Grizzymeister dans les airs qui est au-dessus de Borito. Ça c'est bien fait. Mokdus peut-être là sur le côté gauche. Il va essayer d'accélérer. Il ne passera pas face à Rix Rondé. Attention, le dégagement loin devant. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, Borito? Il va retoucher. Peut-il servir un coéquipier? Ouais, c'est Tadpol. Décollage de Grizzymeister qui gagne le duel. Rix Rondé, ça manque un petit peu de conviction dans son décollage. Et le ballon qui reste au sol. Fury, on part en overtime. C'est un overtime. On est toujours sur des scores très serrés. On est à 1-0 la gagne d'avant. Là, on est sur un partout. Et on va voir, ça c'était intelligent. Et Tadpol, il a réussi à esquiver le bump. Et heureusement, parce que là, c'était le but à assurer pour les Complexity Gaming. Ça va repartir le long du mur avec Borito qui prolonge cette balle. Là, c'était assez sympathique la manière dont il a effectué ce toucher de balle. Tadpol qui essaie de gagner un petit peu de temps. Les petits pieds reviennent. Mais c'est trop tard. La bonne passe là, qui va revenir dans ce milieu de terrain pour Grizzymeister. Et ça fait 2-1. C'est les Complexity qui vont revenir. Ouais, superbe touche de balle de Mokdus qui prend en revers un petit peu toute la défense. C'était pas dans le bon sens. On a tous voulu accompagner ce ballon, jouer le second ballon, mais Mokdus qui était bien plus en avance que tous ses adversaires. Il a pu centrer, il a mis le dosage parfait pour ce petit pinch. Et Grizzy qui est là pour conclure. Et Complexity égalise dans la série. Ouais, ils égalisent, mais avec un overtime, c'est compliqué. Ils ont du mal à se défaire de cette équipe de Méthode qui montre un très beau visage pour le moment. Ils ont eu des actions aussi, ils ont pu remporter cet overtime d'un côté ou de l'autre. On voit qu'on a deux équipes qui se maîtrisent, qui se neutralisent un petit peu. Et ça va se jouer à qui va faire l'erreur en premier. Et pour l'instant, on n'en voit toujours pas beaucoup. Ça risque Là, il y avait une erreur dans la défense. La touche de balle est belle, mais les trois joueurs sont dans le corner et reviennent dans le sens de leur cage. Donc forcément, personne ne peut défendre. Donc effectivement, ça...
visuellement, il n'y a pas vraiment un raté. Oui, il n'y a pas le raté. Mais dans, tactiquement, ils ont fait une erreur. On va en voir de plus en plus, hein, de toute façon, au fur et à mesure de la série. Là, on a des matchs fermés. Je suis sûr qu'à la fin, ça va finir à coup de 6-5. Ah ouais ? Quand même overtime, hein, mais il y aura beaucoup plus d'erreurs. 6-6, bah, au fur et à mesure qu'on va monter, il y a de l'enjeu également pour méthode. Hein, le Rix Rondé et Borito, ça fait, je crois, 4-5 saisons, enfin depuis le début des RLRS. Borito et Rix Rondé, ils sont dedans, sous les couleurs de méthode. Ils n'arrivent pas à passer ce palier. Ils n'arrivent pas à accéder au RLCS. C'est l'opportunité. Ils ont raté celle de la semaine dernière. Là, il y a quelque chose à faire, surtout face à cette équipe de Complexity qui est prenable pour eux. Ah bah oui, une équipe en grande difficulté. On le rappelle, 0-7 hein, dans la saison de League Play. Ça veut quand même dire quelque chose, même si les matchs ont été disputés. Là, ils viennent de perdre contre une équipe RLRS. Ça envoie aussi un message fort à Méthode qui se dit bon bah Singularity a réussi à les battre. Pourquoi pas nous ? Et oui. Donc voilà, des Complexity affaiblis aussi par leur précédente défaite. En plus, ils ont enchaîné. Hein, ils ont perdu. Ah ils oui, se retrouvent tout de suite dans ce match. Donc effectivement, il y a une carte à jouer pour les méthodes et ça fait bien un partout dans ce BO7. Allez, ce ballon très haut dans les airs qui va être pris par Tadpol, le gallois qui va renvoyer. Et le ballon alors. Qui va continuer effectivement. Flex qui a oublié quelque chose sur cette action. Borito, ça va être compliqué, mais il a parfaitement lu ce rebond. Il a pu remettre ce ballon dans l'axe du but très haut au-dessus de la barre transversale. Il insiste là, Borito. Ça termine sur le poteau, mais c'est une passe décisive pour Rix Rondé. J'ai cru que Rix Rondé avait mis la même balle. Exactement la même. Déjà voilà, on voit ce poteau là de Borito. Et là, j'ai vu ça partir, j'ai dit non, il va pas nous refaire le même poteau sortant, mais ça va. Il a réussi à jeter un petit peu plus intérieur du but, et c'est les méthodes qui ouvrent le score. Attention, on l'avait vu, hein, quand les méthodes ouvrent le score, là, ce petit score de 1-0, ils ont réussi à le tenir. Pour le moment, leur défense, ça passe. Attention à Flex, là, qui met la défense dans une position un peu compliquée. Ils arrivent à s'en sortir, hein, avec Rix Rondé qui va renvoyer cette balle. Ça revient, le bon plier de Tadpol. Mocnus, pour la passe dans l'axe, ça ne trouvera personne. Flex, est-ce qu'il peut toucher ce ballon encore? Flex, il va continuer, la 32 boost dans le corner, il se replace défensivement. Il a vu qu'il était trop court, là, pour aller challenger Tadpol. C'est Grizzly qui essaie de mettre la pression, cette touche de balle qui ne lui permet pas de continuer. Attention, il y a une première démo. On va aller chercher la démo sur Mocnus. Et c'est Grizzly hein, qui a répondu par une démolition. Et derrière, c'est quasiment open. Oh Grizzly, qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait dû tirer direct. Ouais, il a voulu le mind game, Grizzly. Il a voulu faire le beau jeu. On le connaît lui aussi. Il est un petit peu nonchalant comme joueur. Et ma foi, ça ne réussit pas toujours. Là, il a pas mal d'espace là pour essayer de créer quelque chose. Il est battu complètement par Rix Rondé. Attention, Mocnus qui est pris à revers lui aussi. Heureusement qu'il y avait Flex au premier poteau. La Flex bénéficie de pas mal d'espace. Tadpol qui va venir le refermer très rapidement. Mais la solidité du Merc forcément qui vient gagner les contres. Flex encore, Rix Rondé qui la lève. Ce sera pour Mocnus le duel face à Borito. Remporté par le Finlandais, pardon. Borito encore pour essayer de remettre dans l'axe. C'est raté. Il y avait quelque chose à faire là, Rix Rondé qui était quasiment seul devant la défense des Complexity. Et Tadpol qui écarte mais qui rend cette balle à Grizzly. Le backboard sera défendu par Borito. Ça va venir taper le mur de ce terrain. Rix Rondé qui renvoie. Attention à Borito qui a décollé. Est-ce qu'il va pouvoir dropper cette balle peut-être? Oh, il va passer juste à côté, c'est dommage. Ça fait quelques fois là qu'on a des petites imperfections mécaniques et qui auraient pu amener un but. 3 minutes, toujours 1-0 pour les méthodes qui tiennent bon. Borito qui va renvoyer dans l'axe, ça va suivre. Oh non, ça ne va pas collecter. Mocnus, il avait tout vu ici, il a pris de vitesse ce jeu de passe dans le milieu de terrain. Flex qui va repartir très tranquillement alors que c'est Grizzly qui vient mettre de la pression. Il a raté cette balle et finalement c'est Tadpol qui peut repartir dans le corner. Est-ce que Tadpol il va réussir à servir ce ballon? Il y a Rix Rondé qui est parti. La frappe de Rix Rondé, ce sera dans le corner. Et Flex, le duel face à Tadpol, personne ne touche le ballon. Finalement Flex qui va décaler Mocnus. Aïe, il en a fait un petit peu trop, c'est dommage. Il avait fait la différence, il avait mis Mocnus dans d'excellentes conditions pour aller dégager. Oh là là, ça double commit la Crazy Master en miroir juste derrière son coéquipier. Mocnus qui pousse, Flex qui ne tentera pas le redirect. Il avait déjà Borito dans les airs. Le duel, oh là là, Grizzly, la lecture complètement ratée. Attention Complexity qui a un petit peu de mal pour l'instant dans ses synchronisations là de leur mouvement. Le ballon bien dégagé, c'est devant le but. Et Flex qui vient pousser, et contre toute attente, Complexity qui égalise. Allez, sur une erreur ici hein, on voit un premier joueur, c'est Rix Rondé qui se fait dépasser complètement par ce ballon. Et là il faut le dire, c'est la balle parfaite hein, derrière le drop, devant la cage. Flex, il a un merc en plus, il est rentré dans les cages avec la balle et ça permet au Complexity de revenir à un partout alors qu'on vient de dépasser il y a quelques instants la moitié du temps réglementaire. Attention à Borito, ça a ouvert beaucoup d'espace. Oh, Mocnus qui tient. Et Rix Rondé qui a été pumpé ici alors qu'il attendait tout simplement pour ajuster sa frappe.
on aurait pu voir les méthodes repasser devant au tableau d'affichage. On est toujours dans le corner des méthodes avec Morito qui se relance. Est-ce qu'il peut continuer? Ça me semble compliqué. C'est Flex qui va intervenir. La récupération, il n'arrivera pas à passer son vis-à-vis. Morito peut-être pour essayer de maintenir ce ballon dans le camp opposé. Tadpole qui va chercher une bonne touche de balle, une bonne double touche de balle. Eric Srondé, ça va être compliqué. Il n'est pas dans le bon sens. Il se saisit quand même de ce ballon. C'est récupéré par Mogdius. Attention, la double tap peut-être de Morito. Est-ce qu'on a du monde? Il n'y a personne. C'est Grisé qui va finalement décoller pour sortir cette balle. Ouais, il essaie de retoucher, mais il n'y parviendra pas. C'est les méthodes là qui essaient de faire le forcing sur le but de Complexity pour reprendre l'avantage. Tadpole qui va centrer. C'est Flex qui va dégager loin devant. Il y a pas mal d'espace là côté gauche. Flex qui a attrapé le boost au passage. Il y a Grisimeister qui attend la passe. Oui, il va être servi. Le Norvégien ne trouve pas le cadre. Mogdius pour conclure. Peut-être. Lui non plus. Ne peut pas tirer dans le but. Pas de double tap non plus. Ça risque d'être dégagé par l'intermédiaire de Tadpole loin devant. Les méthodes qui s'en sortent, mais attention, le danger va revenir avec Flex qui prend un premier contre derrière face à Morito. Ouais, c'est récupéré par le Néerlandais, pas de boost pour lui, ça va être compliqué de créer quelque chose. Il pousse tant bien que mal. Mogdius va prendre son temps pour essayer de ressortir. Ces deux équipes qui manquent de réalisme dans le dernier geste, elles arrivent à faire la différence sur un jeu de passe, mais la frappe derrière, soit on a une défense qui tient bien, soit on ne cadre pas son tir. Et attention aux méthodes là qui cherchent la solution dans les ultimes instants. Hein. On approche des 30 dernières secondes de jeu. Flex était parti pour rediriger ce ballon. La très bonne touche là pour repartir de l'autre côté du terrain. Heureusement Mogdius était vigilant. Morito en deux temps a le wall stop ici pour repartir. Et ouais, il est seul, hein, c'est rendu à Grisimeister. Et attention Mogdius, il a vu Flex sur le côté. Oh, il a tenté de lui réadresser ce ballon je crois, mais c'était pas évident avec un pré-flip. Tadpole qui va partir, finalement c'est Rix Rodé qui... Et bah je crois que c'est Grisimeister qui va renvoyer cette balle. Oh, le raté. Quel retour. Oh, attention, 13 secondes restantes là. Complexity qui essaye d'aller chercher, d'aller voler cette game numéro 3, mais ça défend malgré les petites erreurs. Toujours pas de but, pas de deuxième but en tout cas pour les bleus. Oui, et là on prend la direction de l'overtime, à moins que Morito là parvienne à emmener ce ballon très très loin là, peut-être pour Tadpole. Non, il ne pourra pas décoller, il sera pas le premier. La petite remise en retrait, ça a failli fonctionner. Une seconde de plus et il a envoyé le meilleur tir de sa carrière là. Heureusement qu'on est parti en overtime pour les Complexity. Et Tadpole qui vient marteler le backboard, mais il y avait Mogdius bien positionné pour récupérer cette balle. Grisy qui renvoie loin devant, le très bon clear. Et Tadpole qui va répondre avec ce wall clear. Grisy qui remet, attention, ce ballon il va tomber juste devant. Il faut pas se rater du côté de Rix Rondé. Ça va tenir bon. Mogdius qui remet devant les cages. Mogdius peut-être encore. Attention, il a fait la différence. Il va bumper. Eh oui, Mogdius, il est allé bumper Morito. Et c'est bien les Complexity qui vont encore aller chercher cet overtime. Ah, c'est un but qui est à l'image de ce match, à l'image de tout l'enjeu entre ces deux équipes dans ce BO7. Il va falloir être agressif. Il va falloir aller la chercher, cette place. Elle n'est pas qualificative pour les RLCS, mais au moins elle permettra à l'une de ces équipes d'espérer encore éviter la Ligue 2 la saison prochaine. Oh là là, encore un overtime, encore Complexity qui gagne. C'est dur pour les méthodes parce qu'ils avaient bien embarqué ce match. Ils avaient mis beaucoup de pression, mais derrière ils n'arrivent pas à le concrétiser, à les mettre deuxième but, ce qui les mettrait à l'abri. Et derrière on a fait une erreur en défense avec un raté, je ne sais plus quel joueur a raté le ballon. Ça revient juste devant le but et derrière c'est Flex avec son maire qui a enfoncé cette balle. Et on part encore en overtime et on laisse filer cet overtime et on laisse filer des chances de se retrouver en RLCS. La sérénité du côté de méthode, ils ont toutes les raisons de l'avoir, toutes les raisons. Il y a tellement de place pour aller mettre plus de pression sur cette équipe de Complexity qui, on le voit, lorsqu'elle est mise sous pression, ça panique, ça va double commit dans tous les sens et ça va pas résister à la pression. Mais ils ne parviennent pas à maintenir la phase de siège longtemps et il y a de la domination un petit peu. J'ai l'impression qu'ils ont plus le contrôle du jeu, mais ils n'arrivent pas à se montrer plus dangereux que leurs adversaires. Ouais, je suis d'accord là-dessus, je te rejoins, mais on l'a vu en NA aussi, hein. Dès qu'on arrive dans ces matchs décisifs, tout de suite ça flippe. C'est la manette, c'est une piscine, hein, je peux vous dire que c'est trempé, c'est incroyable. Ils sont en stress total, ces joueurs. T'imagines, t'es en RLCS, là t'es un match, tu perds. Y'a plus d'RLCS, ouais. Boyan. Donc forcément, c'est pas là où on va leur demander d'aller mettre des triple flip reset et ce genre de choses. Ils essaient de jouer simple, de concrétiser. Mais comme des deux côtés, eh ben, on est sur cette même physionomie, forcément ça nous donne des matchs très fermés. Et pour le moment, ils ne craquent pas. Et ça, c'est bien parce qu'on pourrait avoir aussi le craquage et le 5-0 et ça se tient quand même dans un mouchoir de poche. Ouais, au moins on a des games équilibrés avec peu de buts. Moi je préfère ça que des stompins comme on avait eu hier entre Cloud9 et G2.
Allez, game numéro 4, 2-1 pour Complexity, ils ont fait la moitié du chemin et attention à Flex dans les airs, il va être interrompu par Rix Rondé, la touche de balle de Tadpol qui ne permet pas à Mognus de reprendre, c'est bien fait, oui, ce sera sur le poteau, et Mognus qui s'est arrêté avec toute la sérénité du... La première frayeur quand même là pour les Complexity, attention à Flex, hein, il faut qu'il aille chercher ce ballon, c'est bon, il l'a fait sans problème, et c'est Grizzly qui essaie de repartir avec ce bon flic depuis le mur, il faut mettre de la pression là, on est en train de lever cette balle du côté des méthodes, Tadpol qui vient mettre de la pression, qui vient chercher un dump, on le voit, c'est impressionnant hein, le nombre d'explosions qu'on vient chercher dans ces games. Rix Rondé pour Burrito, ce sera trop compliqué hein. Il y avait Flex au premier poteau, Grizzly qui va renvoyer loin devant, Flex il va prendre le boost, est-ce qu'il va jouer, il va attendre la touche de balle de Tadpol et j'ai eu peur, je pensais que c'était bien pire que ça, ça va revenir le long du mur. Mognus peut-être, non il est reparti de l'autre côté quand il a vu le positionnement défensif des méthodes, il ne faut pas se rater le très bon wall clear, est-ce qu'on aura une réponse avec Mognus qui renvoie complètement de l'autre côté. Il y a un petit peu d'espace pour Rix Rondé, attention à ce contrôle qui est long, ça va permettre à Grizzly Master d'insister, mais ça ne passera pas. Oh là là, Rix Rondé qui se rate, qu'est-ce qui lui arrive là, va falloir se ressaisir, il était bon dans la série précédente, Rix. Grizzly Master avec pas mal d'espace, oh là là, il va choisir le pointu très très haut et il y avait déjà quelqu'un là qui était perché, c'était Rix Rondé à nouveau, le revoici qui va essayer de jouer ce ballon face à Mognus, le duel qui est neutre. On a pu progresser dans le coin de corner, le centre de Tadpol ne trouvera personne, on est très loin du côté de Burrito et on est même à court de boost, oh là là. Avec un petit peu de réussite, il a réussi à intercepter ce ballon. C'est joli ça là pour servir Tadpol. C'est prolongé, Burrito qui sera court dans le challenge aérien face à Mognus. Et attention à Flex hein, qui est en train de se libérer un petit peu d'espace. Bonne intervention défensive de Tadpol. C'est suivi par Burrito, la frappe sur le backboard. Mognus qui est dans une position délicate, c'est raté. Oh, on ne peut pas pousser cette balle alors que c'était complètement open pour Rix Rondé. Et attention à Mognus qui essaie de s'échapper. Heureusement il est rattrapé. Et une nouvelle tentative pour Grizzly qui part dans les airs et qui vient passer un premier joueur. Derrière ça va être compliqué quand même pour ses coéquipiers. Ça repart dans le camp des Complexity, Rix Rondé, le contrôle, Rix qui va essayer de fixer Flex, le premier flic pour passer, c'est Grizzly Master qui s'impose sans problème, et on retourne dans le camp des méthodes, avec Tadpol qui envoie ce ballon dans le corner, la passe est fine, elle est magnifique pour aller chercher Flex, c'est bien les Complexity qui ouvrent le score. Oh là, c'est allé très très vite avec une passe qui est bien maîtrisée par Mognus, ouais, le timing il est absolument parfait, et Flex qui est là, qui n'a plus qu'à mettre son merc en opposition, et ouais, 100 km/h, effectivement, il faut la cadrer, et là, c'était absolument parfait. Les Complexity, voilà ce qu'il faut faire, un jeu simple, une passe dans l'axe et un redirect, et ça va les mettre sur la bonne voie maintenant ces Complexity pour aller chercher peut-être la victoire et se donner 3 balles de match. Il reste 2 minutes 20 en tout cas pour le moment. Mognus qui vient contrer Grizzly Master, oh y'a qui a complètement raté sa touche de balle, et attention à Tadpol qui va partir de l'autre côté, est-ce qu'il peut peut-être faire une passe pour ses coéquipiers, ça va revenir encore pour Burrito sur le backboard, on est parti très rapidement du côté de Rix Rondé, heureusement il y avait Mognus qui était resté vigilant dans les derniers instants, il était l'ultime rempart de sa défense. Rix Rondé le reset peut-être, il va le chercher pour le moment, c'est un mind game mais Grizzly ne se fait pas avoir. Ouais, le contre là, in extremis, méthode qui essaie de réagir, on y va avec de l'agressivité. Oh là là, qu'est-ce qu'il faisait là, Tadpol, il était pas du tout dans le bon tempo sur ce ballon. Rix Rondé, faut pas se rater, ouais, il va temporiser la remise dans l'axe. Oh oui. Flex qui frappe, on a eu le temps de revenir, de se replacer. Burrito crédité de l'arrêt, c'est centré à nouveau. Attention, Grizzly Master en retrait pour Flex, c'est parfait. Oh, derrière, il ne peut pas cadrer. Allez, Mognus, il va aller insister. Est-ce qu'il a eu le boost? Je crois que la réponse est oui. En retrait pour Flex, peut-être. Ouais, Flex qui va prendre son temps, il va contrôler, essayer de jouer ce ballon de temps à l'aide du backboard. Derrière, c'est Grizzly Master qui va frapper. Et ça défend toujours. Ça tient côté méthode. Ils sont sous pression quand même, ces méthodes-là. On le voit arriver, ce deuxième but. Ça continue comme ça. Attention à Mognus qui est allé chercher le reset. Ça lui a permis de passer un premier vis-à-vis. Derrière, c'est Flex qui a tiré. Mais la belle parade de Rix Rondé. Grizzly encore une fois. Ce ballon qui va longer le mur. Burrito qui va partir dans le corner, il va essayer de passer les joueurs, pour le moment c'est un petit peu compliqué même si ce ballon va monter sur le backboard. Flex, je sais pas d'où il sort, Flex il est dans sa cage, il a réussi à repousser ce ballon et la bonne pression maintenant elle est mise par Grizzly qui va essayer de repartir avec sa Dominus. Flex qui a fait la différence, est-ce qu'il peut toucher cette balle, encore la frappe directe et ce sera sans problème pour Tadpol. Ouais, qui dégage, qui va trouver Burrito en relais, belle transition offensive là de la part de Méthode qui va pouvoir se projeter vers l'avant avec Rix Rondé à 50 secondes de la fin. Flex qui est en marche arrière, qui essaie de se mettre en opposition mais il n'y avait personne à contrer. Grizzly, le pinch, ça ne va pas très fort, ce sera sur Burrito qui va essayer de relancer côté droit, il va trouver Tadpol en relais peut-être. Tadpol qui prend son temps, il essaie de remettre dans l'axe pour Rix Rondé, c'est intercepté pardon, par Mognus. Burrito vers Tadpol qui va aller se replacer. Ouais, la possession elle est pour Complexity là, 30 secondes de la fin. Mognus qui remet dans l'axe, il n'y aura pas de solution. Flex qui n'a pas envie de prendre le risque et ça se comprend là quand on est à 24 secondes d'aller chercher les premières balles de match.
Flakes qui se positionne en attente de la touche de balle de Gorizo. Ça va peut-être passer, oui, pour le moment ça est en train de se prolonger tout doucement vers le camp des Complexity. Flakes qui va repousser sur Mognus qui essaie de partir, le contre est favorable. Attention à Rix Rondé, bien positionné dans les 10 dernières secondes de jeu. C'est Grissi qui peut clear, mais ça vient toucher encore un joueur des méthodes. Il va falloir gagner du temps. Mognus il doit se jeter sur ce ballon, il contrôle. Et ça y est, la balle n'a plus le droit de toucher le sol. Est-ce que les méthodes vont réussir? Attention, la passe de Borito pour Rix Rondé qui va faire le contrôle. Est-ce qu'il peut aller chercher le flic? C'est sur la ligne! La transversale! Ce ballon qui va venir frapper la ligne de but! Les méthodes étaient tout proches de revenir! Mais c'est bien les Complexity qui vont aller se chercher 3 balles de match! Fou, on essuie la goutte de sueur sur le front du côté de Complexity. On a tenu bon. Bon, même s'ils ont beaucoup attaqué dans cette game, ils ont été dominateurs sur celle-ci. Oui. Je pense qu'on sera d'accord avec notamment un petit peu avant cette dernière action pour les méthodes. Beaucoup, beaucoup d'attaques du côté des Bleus. Mais ça a tenu bon côté orange et on a failli y revenir. Le seul but du match, encore une fois, un seul but, c'est celui-ci inscrit par Flakes et Fury, il est beau. Ouais, ça se tient, hein. 1-0, 2-1, 2-1, ouais. Overtime, hein. Ces équipes vraiment qui ne font pas place à beaucoup de jeux, même si on pourrait avoir plus de buts, hein. On a quand même des défenses qui sont au rendez-vous, ouais, parce que les Complexity, ils ont eu plus d'une action intéressante. On a vu une énorme phase de pression où il y a 3-4 tirs qui s'enchaînent, ouais, dans la lucarne, on saute à 2 pour essayer de se sauver du côté des méthodes. Ils ont réussi à le faire, ils n'ont pas réussi à recoller au score, malgré cette ultime tentative qui vient s'échouer sur la ligne de but. En tout cas, le résultat est là et sans appel, c'est bien les Complexity qui vont chercher 3 balles de match. Effectivement, ils mènent 3-1 dans cette série et ils sont en train de faire le taf face à Méthode. Là, la Méthode se retrouve dos au mur. J'ai envie d'insister maintenant sur eux. Tadpole, son histoire, elle est cruelle. Il perd son spot en RLCS parce qu'il perd ses deux coéquipiers. Il perd Ronaki, il perd Cassio et il se retrouve tout seul et forcément, il ne garde pas le spot. Il a retrouvé une belle maison, hein, avec chez Méthode, une belle structure aux côtés d'un duo très solide, Borito et Rix Rondé. Là, ils sont repartis pour une nouvelle saison en RLRS, j'ai l'impression, s'ils ne remportent pas les 3 prochaines games, Fury. Ça va être compliqué, il faut tout gagner maintenant, ou sinon, ça sera la saison 9 en RLRS, effectivement. Et Flakes qui essaie de partir, Grizzly Meister qui a été rattrapé, Tadpole la frappe, et c'est Flakes qui vient se jeter ici pour dévier ce ballon de la direction des cages. Mognus qui va partir sur le mur, est-ce que ça va passer Borito? Non, cette balle qui va revenir, et attention à Tadpole, elle est cadrée cette frappe, sur la transversale, il peut pas faire la double tap. Ouais, Tadpole là qui n'est pas en réussite, c'est pas le. Il a été, on l'a connu, beaucoup plus flamboyant que ça. Il peine, hein, un petit peu à faire la différence individuellement. Crazy Meister qui va essayer de centrer, c'est Tadpole qui relance, c'est directement sur Mognus. On ne s'est pas raté dans la défense. Heureusement que la touche de balle de Mognus n'était pas extraordinaire. Il essaye là, le Finlandais, il ne passera pas. Ça a été dégagé par Borito qui prolonge face à Crazy Meister, le contrôle du Norvégien aux prises avec Tadpole. Il remporte le duel. Ouais, Mognus qui a décidé de revenir. Crazy Meister qui temporise, il fixe la défense, il est passé face à Rondé, mais il ne passera pas face à Borito. Rix Rondé qui essaie de prolonger ce ballon malgré le peu de ressources en sa disposition. Et là, c'est Grizzly qui allait partir, mais qui malheureusement a été complètement démoli par Borito. Rix Rondé qui essaie de s'échapper, mais pour le moment dans le milieu de terrain, ils tiennent bon ces Complexity. Ils ne laissent aucune chance à cette équipe des méthodes. Et Mognus, la touche de balle encore une fois, ça repart avec Grizzly. Grizzly qui va partir seul dans les airs, il s'était lancé. Est-ce qu'il arrive à ramasser un joueur? Oui, il avait amené ce ballon sur le backboard, mais derrière ça a été arrêté. Flex, nouvelle tentative. Et la transversale sortante encore. Attention, on pousse, on insiste, mais Grizzly Meister qui est un petit peu loin. C'est Borito qui va dégager. Grizzly Meister qui essaie de contrôler. Oh là là, le flic derrière qui ne passera pas. Tadpole peut-être, Tadpole. La passe vers Rix Rondé, il n'a pas réussi à frapper convenablement, là c'est dommage. Et là c'est hargneux. Là c'est. Oh là là, c'est les auto-tamponneuses. On est encastré dans ce coin de corner et ça va, on va réussir à se dépêtrer de cette situation, pardon, avec ce dégagement. Rix Rondé, une deuxième touche. Ouais, c'est poursuivi par Tadpole. Oh là là, Mognus qui l'a pris en chasse, qui l'a ciblé et qui l'a détruit. Borito le centre peut-être, Flakes qui ferme au premier poteau, ça va, on va s'en sortir, attention à Mognus, la précipitation, et c'est Tadpole là qui bénéficie de pas mal d'espace, Tadpole qui va aller fixer Flakes, et il ne passera pas, toujours pas. Ouais, toujours 0-0, alors qu'on approche déjà de la moitié du temps réglementaire, et les Complexity n'ont qu'un petit but à mettre pour aller chercher la finale du lower bracket. Mognus qui
va renvoyer comme il le peut avec ses 0-12. Derrière, il est assisté par Flakes qui ne pourra pas aller plus loin. Le bon clear de Rix Rondé. Grizzly qui attendait lui aussi sagement sur le mur pour envoyer ce ballon complètement de l'autre côté du terrain. Rix Rondé qui renvoie. Borito, ouais, non, là pour le moment, on s'envoie des grands ballons, mais absolument aucun follow-up. Peut-être ici une solution. Borito qui remet dans l'axe pour un coéquipier. Finalement, c'est Grizzly qui va s'imposer dans ce duel aérien. Peut-être Paul qui écarte. Vers personne, c'est Flex qui va pouvoir partir dans son corner et qui a un petit peu d'espace devant lui. Attention, il a beaucoup de ressources. Flex avec son maire qui vient récupérer un contre très favorable. Donc tu sais ce qu'il peut y aller. Et voilà les Complexity, le premier but. Oh là là, ça se joue à quelques millimètres là, ce duel remporté par Flex. Du bout du pare-choc là de son maire qui vient prendre un contre absolument phénoménal avec le ceiling. Ça redescend au sol et Magnus qui est là, qui a parfaitement suivi et qui vient trouver l'ouverture. 1 minute 55, c'est la manche décisive déjà, Fury. Et j'avais pas réalisé mes méthodes, ouais, ils doivent réagir maintenant. Et oui, c'est maintenant, Boyan, sinon c'est fini. Et Flex en tout cas qui fait une très bonne série, hein, il faut le dire. Il est partout, à la passe, au but, en défense, il fait des arrêts absolument sensationnels. Ça fait du bien à cette équipe de Complexity. Attention, Grizzly qui a le meilleur hip-hop de la planète. Vraiment, la balle arrive devant lui. Et ça permet même à son équipe de se dégager. Ce ballon qui ne grimpera pas le long du mur. C'est Magnus qui avait bien vu la lecture là, du rebond. Magnus encore une fois pour essayer d'avancer. C'est dégagé sans problème par Borito qui vient chercher Rix Rondé qui était là, positionné sur le mur. Qui ne passera pas. Borito la frappe peut-être, c'est sur le backboard. Il y a Flex qui va prendre son temps, qui va contrôler et essayer de repartir. Il passe Rix Rondé. Il me semble qu'il a un petit peu d'espace. Il cherche une solution avec Grizzly. Il fait un travail sensationnel. Derrière, il veut bumper. Il a fait tout le travail, ce ballon qui était là et qui est repoussé. Oh, attention, attention à ta Rix Rondé, pardon, qui a fait la différence. Cette fois, qui m'a flip. Je sais pas s'il pouvait la mettre, même s'il avait réussi son envolé. Grizzmeister qui est contré par Borito au moins d'une minute désormais pour les méthodes, pour aller chercher l'égalisation. Là, peut-être à Paul, mais c'est fermé par Magnus qui est bien sorti. Rix Rondé face à Grizzmeister, ça a été dégagé. Et Borito va prendre son temps. 36 de boost pour contrôler, pour accélérer. Il a déjà tout dépensé. Et là, il ne peut pas aller chercher ce ballon. Il est obligé de le jouer au sol. Le contre favorable, c'était réussi. Tadpole a été battu, n'a pas pu passer. Rix Rondé peut-être pour centrer en retrait, c'est défendu par Magnus. Ils sont en train de se réveiller les méthodes, ils voient le compteur là qui est en train de s'écouler. Plus que 30 secondes, 30 secondes pour aller chercher le but de l'égalisation dans un premier temps. Attention, Borito qui va y aller peut-être tout seul. Il y avait Magnus bien positionné, la frappe de l'empereur. Ça y est, ça y est. Et voilà Tadpole, 25 secondes de la fin, le but de l'égalisation qui est là. Les méthodes peuvent encore y croire, les méthodes sont après leurs rêves. Par contre, maintenant, il va falloir rester solide. Il va falloir aller chercher peut-être ce deuxième but ou un overtime, on ne sait pas, ça nous étendrait pas dans cette confrontation qui nous a déjà donné deux overtime. Allez, c'est parti les 25 dernières secondes de ce temps réglementaire, pardon, Grizzmeister qui contrôle, il m'a fait peur, il m'a fait bégayer là le Norvégien, Magnus face à Borito. Oh, le contre est pris par le Finlandais, il va essayer de recentrer en retrait, c'est pas mal fait, oh, Rix Rondé qui gagne du temps, et c'est parfait, ça permet à Tadpole de dégager, Tadpole en deux temps, le Gallois. Le backboard, il y aura Flex sans problème. Magnus pour prolonger, c'est pas mal fait. La dernière offensive, elle est là avec Rix Rondé qui va chercher Tadpole. Il va essayer de remettre, c'est dans l'axe du but. Il se positionne pour la double tap, mais c'est défendu par Magnus. Attention, Borito, la remise. C'est sur le poteau. Aïe aïe aïe, c'est poteau ou c'est sorti? Je sais pas. C'est un des deux, mais ça rentre pas, ça c'est sûr. Et ce sera un overtime. Est-ce que les méthodes peuvent rester en vie dans cette série? Ils peuvent rester en vie dans cette qualification en RLCS? On le sait pas. Les Complexités, la Tadpole qui va y aller tout seul. Pour le moment, sur la ligne, là, c'est Magnus qui a réussi à repousser cette balle. On s'est raté. Une nouvelle tentative peut-être. La frappe de Rix Rondé. Elle est cadrée. Le retour in extremis de Magnus. Et on essaie de repartir depuis ce mur. C'est Flex qui essaye. Mais les voilà, les méthodes qui sont là depuis le début, qui mettent beaucoup d'efforts. Et Tadpole qui ne pourra pas pousser cette balle. Voilà, on s'en sort du côté de Complexity. On a pu mettre ce ballon dans le camp orange. On peut se replacer. Grizzmeister qui s'est fixé. C'est la panique totale du côté de Complexity. Attention à Flex. La passe dans l'axe pour Magnus. Oh. Une, deux. Flex. Oh, la frappe. Mais quelle action. Quelle sérénité entre Magnus et Flex pour aller mettre ce but d'une importance capitale qui maintient Complexity pour le moment en RLCS. Oh, le trou de souris. Il est allé chercher l'angle. Il y avait un endroit où il pouvait mettre la balle. Ça faisait la taille du ballon. Et ben, il a mis cette balle ici. Oui, on était debout. On était pas prêts. Excusez-nous. On était comme ça. Mais oui, vous savez qu'on vit l'e-sport avec vous, les amis. Ce n'est pas qu'une simple image. On le vit à fond, à 100%. Et voilà, cette équipe de Complexité qui se fait peur quand même hein, sur la fin. Ouais. Et ils se sont réveillés, méthode, soudainement. Mais pourquoi ils n'ont pas joué comme ça avant? En fait, c'est ce qui est passé à l'overtime. Mais on est en train de perdre. Oui, non, mais c'est ça. On perd. Quand ils ont marqué le but, mais moi j'ai réalisé qu'il restait 1 minute 25 et que c'est potentiellement le dernier match. Et je crois qu'eux aussi, en même temps, le match était assez plaisant. On avançait tranquillement, ça jouait, il y avait de l'intensité, mais on faisait pas la différence. Et puis à un moment, ils se sont énervés, t'as une équipe qui marque et là tu réalises que ça va être fini. Et ils se sont réveillés, mais trop tard, c'est dommage. C'est trop tard. Et bah ouais, si c'était réveillé game 1, bah oui.
Par... Et les gars, par exemple, ça aurait fait la différence. Ça fait 35 minutes. Si il s'était réveillé la semaine dernière au RLRS Playoff, il serait peut-être déjà en RLRS. Il serait en Rocket League Top Gun Series. Le logo, il est beau. Ben non, méthode. Ah, méthode qui va rester en RLRS, c'est dur. Peut-être qu'ils y sont bien parce qu'à force, moi je pense que là en fait c'est juste qu'ils sont super bien en RLRS. Ils sont là à chaque fois, faut tenter de se qualifier en RLCS. Ils sont dégoûtés, ils sont trop bien en RLRS, ben oui. Méthode. Non, mais ça, c'est les bêtises que je dis, genre Burrito et. Burrito et Rixrondé, c'est leur maison, les RLRS, ils sont chez eux, ils veulent pas partir de là, ils veulent pas descendre, ils veulent pas monter non plus. C'est une petite plaisanterie, mais voilà, qui se confirme, hein. Ça va faire une cinquième, une sixième saison consécutive de la part de ce duo qui reste à vie au sein de la scène subtop européenne et qui n'arrive pas à accéder à cette première division. Il va falloir réessayer la saison prochaine. Ouais, effectivement, la saison prochaine, la saison 9, pour peut-être toucher du doigt encore le rêve des RLCS. Mais c'est vrai que c'est dur, hein, il est là, il est juste là, Tadpole, il est là le logo, mais bon, c'est compliqué. On va pas se moquer de Tadpole, s'il vous plaît, on peut, mais allez voir les tweets. Non, mais c'est vrai, mais ça fait du mal, pour l'écurie méthode, le Paul Gang. Hein, qui mérite, ça fait tellement de temps qu'ils sont là en... Vice-champion du monde, méthode, saison 4, avec Mognus, avec Metsa et avec Olot. Ouais, on aimerait la revoir, cette structure, dans l'élite de Rocket League au plus haut niveau, mais ce ne sera pas pour cette saison, non. C'est bien les Complexity, bravo à eux pour leur première victoire de la saison, il faut quand même le souligner, ils viennent de remporter un BO, plus personne, ça remonte à 1972, la dernière fois que Complexity avait gagné un BO 5 ou un BO 7, bravo à eux, on leur souhaite d'en gagner un deuxième pour se maintenir en RLCS, en tout cas, on va avoir le match entre Singularity et TSM pour une place cette fois-ci en RLCS pour se maintenir du côté de TSM. On fait une petite pause, on revient dans quelques instants pour cette très belle rencontre qui nous attend à